Alors, en cette belle journée de début février, je viens de recevoir ma nouvelle acquisition. Donc voilà, le nouveau 313. Alors, si ça vous dit, je vais vous faire une petite présentation. Alors déjà, pourquoi un 313? Donc, comme certains l'ont compris, j'ai remplacé le 210 par ce 313. Le 210 est équipé d'un système autoguidage adaptable. Donc un Trimble GFX 750 qui n'a jamais fonctionné d'aplomb. Mais alors jamais. Étant donné qu'à côté, j'avais le 312 en Profi Plus, donc en guidage intégré d'origine qui marche à merveille. Donc c'est ce qui m'a fait changer un petit peu de modèle. Pourquoi avoir besoin de l'autoguidage et de l'autoguidage qui fonctionne? Alors sur ma ferme, je fais quasiment que de la culture spécialisée. C'est-à-dire je vais faire des oignons, je vais faire de l'ail, je vais faire de la tomate, je vais faire de la plante aromatique. Tout ça, je le travaille en ligne. Donc c'est préparé au GPS, semé au GPS ou planté au GPS, biné au GPS. Donc les passages de roues sont toujours au même endroit, on est toujours parfait. Et pour travailler comme ça, on a besoin de la meilleure précision. Et à savoir, le RTK, c'est une précision de 2,5 cm. Alors deux mots sur le tracteur, donc le 313, c'est un tracteur qui fait 138 chevaux en 4 cylindres. C'est un tracteur qui pèse 5,5 tonnes. Comme vous le voyez, moi je suis en monte assez étroite, hein, je suis en 340, par 28 à l'avant, par 46 à l'arrière. Pourquoi du 340? C'est toujours pour mes cultures spécialisées. Après, avec la possibilité de le jumeler, comme le 312. Le jumelage va sur le 312 ou sur le 313. D'où l'avantage d'avoir les deux mêmes montes de plan. On va trouver une différence avec le 200 en maniabilité. Malgré qu'il y a un peu plus d'empattement, je me rends compte que le 300 est quand même plus maniable. On a une meilleure visibilité sur l'avant, due au grand pare-brise. Il faut savoir que sur le 200, on a le pot d'échappement qui passe sur le côté, qui nous enlève de la visibilité. On a les montants de la cabine. Alors que là, c'est vachement dégagé, on y voit super bien. À l'arrière, donc, on peut voir que j'ai 4 distributeurs double effet. L'asservissement pneumatique. La cabine est suspendue pneumatiquement. Donc là, vous voyez les suspensions. Nouveauté par rapport au 312. Celui-là, je l'ai pris équipé avec la signalisation à l'arrière pour le jumelage. La même signalisation va être montée sur le 312 du coup. Tous les feux de travail sont à LED. Les phares d'origine éclairent déjà bien sur le 312. Mais j'étais vraiment curieux de voir la différence qu'on peut avoir avec de la LED. Allez, on va voir en cabine. Donc là, vous voyez, j'ai pas encore mis le tapis, mais il y aura le tapis de sol. Donc je vous ferai un petit peu la visibilité sur l'avant, ce que je vous disais. On est vraiment top. La colonne de direction, donc réglable par la pédale. Voilà. Donc sur le côté droite, le monolevier qui sert à l'avancement, qui sert au relevage, aux automatismes de bout de champ. On y met aussi deux distributeurs, des régimes de moteur préenregistrés et deux vitesses préenregistrées. Là, on a un levier en croix qui peut nous gérer les distributeurs. Sur le 312, ce levier en croix peut nous gérer aussi le chargeur. Mais sur celui-là, j'ai pas pris les pièces d'adaptation. Donc sur celui-là, on ne montera pas le chargeur. La gestion du relevage arrière. Donc là, c'est montée-descente du relevage arrière, montée-descente du relevage avant. Donc ces montées et descentes, au travail, on les met là. Descente-montée du relevage arrière, descente-montée du relevage avant. Donc relevage arrière, le contrôle de position. Relevage avant, contrôle de position. Mettre en route la prise de force arrière. Mettre en route la prise de force avant. Moi, le tracteur n'est pas équipé. Ces deux petites molettes orange. Donc celle-ci, c'est le régime moteur en manuel. Donc c'est l'accélérateur à main, tout simplement. Et celle de l'arrière. Alors c'est pour quand on va vouloir travailler en mode pédale. Moi, le mode pédale, j'utilise uniquement pour le chargeur. Quand on va vouloir travailler en mode pédale, eh bien, ça nous règle notre vitesse maximum pédale accélérée à fond. Donc si on est à fond, c'est-à-dire que pédale accélérée à fond, on va être à 40 km/h, 43, et ainsi de suite, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Sur ce tableau de bord, on va régler les régimes de prise de force, mettre les 4 roues motrices, mettre le blocage différentiel, régler la suspension avant, les automatismes de relevage, le teach-in, le go-in c'est le teach-in. Là, c'est pour passer en mode pédale. Ça, c'est pour entrer dans le menu qui est dans la colonne de direction.
À l'arrière, on a tous les feux de travail, les feux de route, le gyrophare, la clim qui est automatique, et les paramétrages, le chauffage, etc. essuie-glace. En cabine côté gauche, on retrouve un petit frigo. Là, le coupe-batterie qui est électrique. Le long du montant droite, j'ai fait faire un support pour mes boîtiers que je peux régler comme je veux. À l'avant, on peut profiter du grand pare-brise de la cabine Visio Plus. Et quand on est ébloui par le soleil, on tire le pare-soleil. Je vais vous faire voir ce qui se passe sous le capot moteur. Alors maintenant, avec la nouvelle norme qui s'appelle la Moser Regulation, on ne peut plus ouvrir les capots comme ça. Il faut qu'il y ait un accessoire pour ouvrir. Et sur les fans, ils ont choisi d'ouvrir avec la clé. Alors le filtre à air est en haut. La jauge de niveau d'huile est ici. Donc les radiateurs sont empilés ici. Pour les souffler, il suffit d'ouvrir ici. Voilà. Et là, on a de la place pour nettoyer tranquillement. Alors, je vais vous montrer rapidement comment le tracteur fonctionne. On a vu les commandes. En premier, je vais vous faire le relevage. Donc, j'active l'automatisme du relevage. Du moment que l'automatisme du relevage est activé, on va pouvoir gérer le relevage avec le Go N. C'est-à-dire que quand j'appuie sur Go, le relevage se baisse. Et quand j'appuie sur End, le relevage se relève. Ensuite, je vous ai parlé de deux vitesses cibles. Moi, sur la C1, j'ai l'habitude de programmer une vitesse de champ. Donc ici, 2,5. Et sur la C2, quand j'appuie sur le C2, voilà, ça devient. Sur la C2, une vitesse de route. Le tracteur donc est équipé d'une transmission à variation continue, donc de 0 à 43 km/h sans passer de rapport, et qui se gère grâce à ce monolevier. Donc j'ai enlevé le frein de parc. Voilà. Là je suis au neutre. Pour avancer, j'ai une petite gâchette derrière. Donc pour avancer, j'appuie sur la gâchette et je pousse mon levier vers l'avant, ce qui donne un mouvement aux roues. Et ensuite, si je veux aller plus vite, voilà. Au plus je vais pousser mon levier, au plus je vais aller vite. Si je veux ralentir le tracteur, tout simplement, je tire le levier vers l'arrière, le tracteur s'arrête. Maintenant que je suis à l'arrêt, pour aller en marche arrière, je rappuie sur la gâchette et je tire le levier en arrière. Pour inverser le sens de marche, j'appuie sur la gâchette et je donne une impulsion à gauche. Il faut savoir que la réactivité de l'inverseur ou la réactivité de l'avancement, elle est réglable par une molette de 1 à 4. À 4, je suis en réactivité maximum. Donc marche arrière. Ensuite, je vais vous montrer comment fonctionnent les vitesses cibles. Donc je me mets en C1, c'est-à-dire que la vitesse cible elle est à 2,5, mais c'est pas beaucoup, on va mettre un peu plus. Alors, 2,5, je vais la passer à 5. Voilà. Donc j'avance. Je veux aller à ma vitesse cible de travail. Je mets une impulsion sur la droite et le tracteur va aller à 5 km/h, la vitesse que je lui ai demandé. Et si maintenant j'appuie sur le C2, c'est la vitesse cible de route, le tracteur accélère. Et moi pour le ralentir, ensuite, si je suis en train d'avancer, je veux m'arrêter, je veux ralentir, je veux freiner, sans rien toucher d'autre, j'ai juste à appuyer sur la pédale de frein, le tracteur s'arrête. Je voulais vous faire voir le rayon de braquage qu'on peut avoir avec un tracteur comme ça. Moi, je trouve que ça braque super bien. Pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve top. Niveau maniabilité, vraiment super. Alors maintenant, imaginons que je sois en train de me servir du chargeur ou que je veuille conduire en mode pédale. Tout simplement, je vais venir appuyer sur le bouton pédale.
je vais mettre mon sélecteur de vitesse d'avancement en moitié par exemple. Et maintenant, tout simplement, en appuyant sur la pédale, je vais donner une vitesse d'avancement à mon tracteur. Alors la pédale comme le levier, quand on appuie sur la pédale ou quand on pousse sur le levier, on demande une certaine vitesse, mais on ne demande pas un régime moteur. C'est le tracteur, grâce au mode TMS, qui règle son régime moteur pour être toujours optimum. Le régime moteur sera fixe seulement si on travaille à la prise de force, par exemple. À la prise de force, on va tourner par exemple à 540 tours minute, et lorsqu'on appuiera sur la pédale ou sur le levier, on viendra gérer seulement une vitesse d'avancement. Alors là, je suis en train de l'essayer tranquillement avec le rot à la bourre. Donc on est vraiment dans les premières fois où le tracteur force. Là, la fumée que ça fait, on a la fumée blanche. C'est toutes les peintures qui sont au niveau du pot d'échappement, au niveau du moteur, au niveau du turbo. Vu que c'est la première fois que le véhicule monte en température, toutes ces peintures sont en train de fondre, en fait, tout simplement. Voilà, les deux bébés sont sous l'hangar. Donc faites attention, parce qu'un 300 peut en cacher un autre. Voilà, donc bon, je l'ai essayé 10 minutes, un quart d'heure. Là, c'est mouillé, je voulais voir comment ça se passait. Tout fonctionne bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Thank you.